that dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Sonic! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Looks like I'd better find one fast. Et voilà. C'est là que je viens de me souvenir, il est où cette 7ème Emerald? Et là, vous dites dans votre tête, mais Bad Bob, tu sors ça de où? Mais c'est dans l'épisode précédent, tout simplement. Bonjour tout le monde, nous sommes rendus à l'épisode 15 déjà, quand même, étonnant. Donc, tout simplement, dans le dernier épisode, on avait fait l'histoire de Tails. On avait commencé l'histoire de Tails, tout simplement. Juste voir, mais les recherches dans la jungle sont très difficiles. Je pense que c'est dans la jungle directement qu'il faut qu'on y aille. Et en gros, ben, nous sommes rendus à l'épisode 15, on avait tout simplement fait le début de l'histoire de Tails. Et on se retrouve pour la suite. J'avais passé, tout simplement, je vous avais dit, la partie... Du vaisseau, entre guillemets, c'est pas vraiment un vaisseau, mais vous comprenez un petit peu là, parce que là, j'ai pas envie de faire ce niveau. Wow! There's a Chaos Emerald! Hey! Wait up! Stop! Donc, Froggy est arrivé encore une fois pour venir foutre le trouble. Trouble fait, Froggy que tu es. Là, on peut faire tomber le sable d'une façon très très bizarre. Qui tombe dans un trou et on peut rentrer à l'intérieur. Tu sais, Froggy est passé au travers du sable. C'est parce que j'ai des choses magiques qui sont arrivées dans ce monde. Et en gros, c'est Sand Hills, c'est un sub games, encore une fois. Et celui-là est quand même classe. Celui-là, j'aime bien. En gros, c'est encore un truc de planche. Mais faut passer au travers les différentes... Merde, les différentes emplacements de tout simplement comme ça. Mais je sais pas si ça change quelque chose. Il me semble que c'est juste pour le score. Mais je sais que il y a une des missions plus tard, mais tu sais, des missions secondaires qu'on peut faire pour gagner plus d'emblèmes. Il me semble qu'il y en a une que c'est de passer dans un certain nombre. Et je le trouve classe ce niveau tout simplement parce que tout ce qui se passe autour, c'est par exemple les totems un peu qui descendent et qui tombent. Je trouve ça cool. Même si on sait vraiment pas par où faut aller, on se trouve quand même par où qu'il faut aller. Il y a plusieurs chemins, c'est ça qu'est-ce qui est cool aussi dans ce niveau. Et j'ai déjà fini. Parce qu'on va clac 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 et voilà. Yeah, on a attrapé Froggy. Et on se retrouve encore une fois dans le passé, et là il me semble qu'il y a un power-up qui est caché quelque part ici, avant qu'on puisse continuer, mais il faut juste que je me souvienne il est où. Ça c'est autre chose, ça c'est le genre de truc que je me souviens, mais je me souviens plus exactement. Je sais qu'il faut voler quelque part pour le trouver. Et il me semble qu'il est en hauteur, mais après il est où exactement, ça, ça reste vraiment à désirer, parce que je me souviens plus vraiment. Je sais qu'il était quand même... une place perchée. Il me semble que c'est un rond comme ça, mais je sais plus lequel. C'est peut-être de l'autre côté. Attendez, on va aller voir. Non, allez, Tails, monte. Non, Tails, je t'ai dit de monter. Voilà, merci. Plus haut et plus loin encore. Je crois qu'il est par là. Exactement ici, il me semble. Non? Voilà ce que je pensais. Je me souvenais qu'il y avait un power-up quand même. You found the rhythm badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. Et ça c'est quand même cool parce que maintenant on peut faire du breakdance. En gros, on attaque à l'infini quoi. C'est aussi simple que ça. Y a pas d'autre fun. C'est tout simplement qu'on peut faire ça à l'infini. Donc en gros, on se promène comme ça et c'est rigolo.
Moi, je trouve ça drôle, promener comme ça. Ah oui, que c'est quand même drôle. Juste un peu. Peut-être pas au max, mais juste un peu. Juste assez pour que ça soit drôle. Juste assez pour que tu te fasses genre, ouais, je m'amuse beaucoup trop. Les serveurs sont les 7 Chaos Emeralds. Hello there, friend. How are you? What were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the 7 Chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number 7 is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal. And you are? Donc parfait, oui, c'est ce que je me disais. Donc il y a les 4 Emeralds, il y a cette 5e qu'on a dans le Tornado, il y a la 6e dans Froggy, comme on a dit qu'elle sort de je sais pas trop où, et au moment donné, il y a celle dans Flicky, donc c'est les 7, voilà, c'est exactement, j'étais sur la bonne piste, en disant qu'il y en avait 7, tout simplement. Et là, je vais juste voir ici, je pense qu'il y a un power-up, mais je peux peut-être dire aussi n'importe quoi, oui, voilà, je disais n'importe quoi, finalement, j'étais sûr et certain qu'il y en avait un là, mais finalement, il n'y en a pas. Donc on va se rendre pour le Tornado 2, et je pense qu'il va y avoir encore le mini-jeu de merde que j'aime pas. Donc on va se laisser un petit peu là-dessus, au cas, je sais pas, on va voir. The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. So, here it goes. Emerald, do your stuff. Ready, Sonic? Here I come. Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. Don't get any ideas, Sonic. You have no idea what this vessel can do. How about I give you a little sample? Doesn't listen to me. I guess you weren't expecting that, were you? There's only one way to get to me, Sonic, and that's through the sky deck. I doubt if you can make it. Ha ha! I dare you! Just watch me. Bring it on, Eggman! So, this must be the sky deck, huh? Oui, pas besoin de me le dire, je le sais que c'est le Skydeck. Je le sais que c'est le Skydeck. Donc c'est H4, Skydeck. Enfin de l'action, enfin quelque chose qui change un peu. Donc Lead Sonic took the capture and destroy it, tout simplement. Et en gros, ben nous, fuck the world. Et je viens juste de remarquer, ils mettent un checkpoint direct en partant. Ça sert à quoi?
Pourquoi mettre un checkpoint direct au début? Quelle est l'utilité? Parce que sérieusement, je la vois vraiment pas. À part se foutre de notre gueule, bah... C'est bien fait. C'est vraiment bien fait comme checkpoint. C'est vraiment le plus beau checkpoint que j'ai jamais vu toute ma vie. Tu sais, celui-là a déjà plus de sens. Mais l'autre, bof, il sert quoi? Et là, j'entends juste Sonic sauter. C'est tout ce que j'entends. Je pense qu'il est pris quelque part. Ah, il vient finalement se décider à avancer. Et là, ici, on peut skip le tout en sautant par là. Continue. Sauter par là. Traverser ici. On traverse super rapidement. On fait tout en mode je m'en fous du jeu. Je glitch le jeu, mais je le fais hyper rapidement. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et là, le canon a finalement décidé de venir m'attaquer un peu. Et hop, fini. Vous voyez qu'avec Tails, le speedrun est plaisant. C'est plaisant avec Tails. On peut vraiment s'amuser, c'est ce que j'aime bien. Et là, t'entends juste Sonic sauter. Ah, il vient d'arrêter. Il a finalement, finalement cessé de vivre. Il est mort, je crois. Is that it? Sonic, we should check out the bridge. Allons voir le pont. Parce qu'il y a beaucoup de cinématiques en ce moment. Hein. C'est les cinématiques qu'on a déjà toutes vues et qu'on sait toutes qu'est-ce qui se passe. J'ai hâte d'arriver dans quelque chose de nouveau avec Tails. Ça l'arrive dans pas loin, ça l'arrive. You're a bit late. Not the birdie! That's the Chaos Emerald! No way! Be gone! All of you! This is all I really need. Gamma! What is your wish, Master? Get rid of these pests! Give them all you got! Aye, aye, Master Robotnik. I'll leave it up to you, Gamma. Et c'est parti! Nous sommes le petit Renner qui fait le truc trop cool. En gros, on se promène comme ça et t'es sûr et certain de le battre. C'est impossible de perdre en faisant ça. C'est genre, j'ai le droit de faire ce que je veux en ce moment et voilà. C'est aussi simple que ça. Please stop, Tails! Move aside, Amy! Get out of the way! No! This robot is my friend! He helped me! Don't hurt him! Okay, if you say so, you have your reasons, I guess. Hey, this ship is losing altitude! Hurry, Tails! Take Amy and get out of here! Well, what about you? I'll find Eggman and put a stop to his evil ways.
Eggman! I wonder what happened to Sonic. I'm finished. Chaos was defeated, and now my egg carrier is ruined. No matter. I will destroy Station Square anyway. That missile is launched. Ready? Fire! A dud. I can't believe this. Ah, I'll go and deal with this myself. Oh no! I'd better get to that missile before he detonates it. I see it. Gotta get it before Eggman. The fate of Station Square depends on me. Oh, Sonic! I've changed a lot since I've started hanging with Sonic. But I can't depend on him forever. I know I can do this by myself. Okay, Eggman, bring it on! Stage 5, Speed Highway. Et là, Tails est enfin un homme. Tails a décidé enfin de devenir quelqu'un de bien. Et voilà, c'est parti. Donc, en gros, faut juste tout simplement pas se faire toucher par Eggman. Et oui, ça commence très mal. Mais en gros, Eggman lui aussi peut voler, donc ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Mais ça reste quand même faisable. Hein. En gros, faut juste pas se faire prendre par la police. Parce que si on se fait prendre par les polices, on est un petit peu triste. Ah, ça rime. Donc je suis trop drôle. Donc en gros, il faut se dépêcher à se rendre avant Eggman au missile. C'est tout simplement ça notre mission. C'est de se rendre avant le missile écrasé quelque part. Je ne sais pas trop où. Mais je sais qu'il est écrasé quelque part. Donc notre but c'est juste de se rendre là avant Eggman tout simplement. C'est pas très très difficile. Là je pense que c'est par ici qu'il faut aller. Oui voilà. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ok parfait, ça passe. Là j'ai vraiment une avance de fou comparé à Eggman, vraiment c'est même plus, j'appelle même ça du viol. C'est peut-être méchant d'appeler ça du viol, mais là je pense que j'ai pris un chemin qui est plus long. Et qui suit pas la caméra, mais là la caméra est revenue. Parfait. Donc là il faut embarquer ici, hop. Et ce que j'aime bien dans aussi les niveaux de Tails, c'est qu'il y a plusieurs chemins différents qu'on peut prendre. Il n'y a pas vraiment de chemin prédéfini pour se rendre à la fin du niveau. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Comme là, il faut juste voler vers la fin. Et là, il y a le missile qui est planté là-bas. Et hop, on va se rendre à Eggman. Parfait comme ça. That wasn't too bad. It's Robotnik! So you beat me to the missile, you little pest. I will make you all pay for this. Let's get out of here! You fool. Away. Before I make mincemeat out of you. I'm not scared. I'm not scared. I can do this.
Tail qui se bat contre le Egg Walker. Et je me souvenais vraiment plus que c'était ça ce boss. Mais oui, dans ma tête, ça vient de souvenir un petit peu. Ok, parfait. Donc en gros, le Egg Walker est quand même assez ardu comme boss. Mais en même temps, il reste quand même assez simple. C'est juste qu'il faut bien l'attaquer au bon moment. En gros, il nous lance vraiment plein de trucs. Et quand on arrive proche de ses jambes, il donne des coups comme ça. Et après, on tape sa jambe pour qu'il tombe. Et après, on le tape. Donc c'est quand même simple. Et là, j'y pense vite fait. Parce que en gros, Eggman, tout simplement, quand que le Egg Carrier il tombe, bah, si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il tombe, l'Egg Carrier. Et, attendez, je vais juste me concentrer un petit peu. Parfait. En gros, tu sais, le Egg Carrier il tombe, Sonic saute. Sonic se rend à la base et rencontre Eggman qui est dans la base. Mais, c'est Tails qui a rencontré Eggman en premier, donc ça veut dire qu'on se bat contre Eggman en ce moment. Et après, Sonic se bat contre Eggman, donc c'est Tails qui se bat en premier contre Sonic, et par la suite, c'est Sonic qui se bat, quoi. Donc ça veut dire que on se bat en premier contre Eggman, et Eggman est toujours fâché, et il n'a pas accepté sa défaite. Donc c'est un peu bizarre, quand tu y penses, vite fait. On a les explosions un petit peu de partout, on esquive un peu tout. On est en dessous, là j'espère qu'il va taper. Bon voilà, t'as un petit pied. Avec le Get All of This, Get All of This. Et voilà, on l'a battu. Parfait, parfait. Hey, I did it! You saved the day! You're the best! I did it all by myself! Voilà, l'histoire de Tails qui a été quand même assez courte, hein. il me semblait que dans mes souvenirs elle était un petit peu plus longue, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je vais pas éterniser non plus la vidéo, et en plus on peut voir qu'il y a un power-up que je suis même pas allé prendre, et qu'on le voit exactement maintenant, et je suis pas allé le prendre, c'est quand même étonnant. En gros c'est par les égouts, on peut aller en dessous des égouts et monter par en haut pour aller chercher un certain item, et je l'ai pas fait. Bon, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas toutes les power-up que je me souviens. Mais tout ça pour dire que l'histoire de Tails, j'espère que vous avez bien aimé. Vous étiez quand même nombreux à vouloir l'histoire de Tails. Je l'ai gardé pour la fin. Et il va rester un épisode, l'épisode final. Donc j'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser un pouce vert. On se retrouve pour l'épisode final qui va sortir très bientôt. Et à la prochaine.